Bonjour à tous, c'est Vegetasan, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va se faire le showcase du Broly Hint du Saiyan Day qui est enfin lien 10 partout. Donc on va enfin pouvoir tester un petit peu ce qu'il vaut. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu. On va checker directement ce que vaut ce petit Broly. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait ki plus 3 PV plus 130%, attaque élève plus 170% pour la catégorie destructeur de planète ou boss de film. Il augmente l'attaque et la def à volonté, inflige des dégâts immenses. Donc c'est pour ça, si vous avez des branches, je vous conseille de l'aspect supplémentaire automatiquement, parce que plus il va partir en spé, plus il va faire de dégâts, évidemment. Donc il nous fait un ki plus 3, attaque et def plus 180%, réduit les dégâts encaissés de 18%, chance de coup critique plus 18%, attaque supplémentaire garantie et chance moyenne d'attaque spéciale. Plutôt good. S'il y a un ennemi de catégorie Saiyan pur ou Saiyan de 100 mêlée, on a un ki plus 3 en plus et attaque supplémentaire garantie, chance moyenne d'attaque spéciale. Et après avoir lancé une attaque spé, réduit les dégâts encaissés de 18% et chance de coup ultime plus 18% au sein du même tour. Quand même bien bien fait ce perso. Alors, l'active skill de Broly, il nous fait quoi? Il nous fait peut-être d'activer après avoir lancé au moins 4 attaques spé lors du combat, une fois seulement évidemment, il fait un ki plus 6, attaque plus 60% et attaque extrêmement efficace contre tous les types pendant un tour. Super fat. Donc on a l'air d'avoir une bonne rotation, en espérant que ça soit mon Broly, vu que j'ai un petit doublon dessus, et puis qu'il est lien 10, le but c'est de tester avec mon Broly, donc on va tourner juste avec lui, et Broly l'AirTech à côté. Et coup de chance, c'est le bon Broly, on commence avec le bon, donc parfait. Et on a bah, une rotation, donc, de toute façon, que vous ne verrez pas avec Thalès Puissance et Thalès AJ, et après on aura du support dans chaque rotation, de toute façon dans tous les cas. Alors, nous sommes à 330 000 d'attaque et 146 000 de def. Donc, c'est pas mal pour commencer. On va voir ça après un premier tour. Donc, voilà, première rotation. Donc, on est parti. Alors, on va se faire ça tranquille. Ouais, donc déjà 495 000, pareil, le petit Broly LR aussi full lien 10. Comme ça va cartonner comme il faut. Alors, on part à combien? On est à 2,6 millions. Bien, bien fat. Et on commence par une petite spé à contre-type. On tape un petit 591 000, mais bon, on est à contre-type. Une attaque supplémentaire, spé supplémentaire. Donc on est à 2 spé. Et une petite spé supplémentaire encore. Donc 3 spé. Donc déjà, on commence très très bien, quoi. Vous pouvez voir que déjà, pour commencer, c'est bien bien fait. De toute façon, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'attaque supplémentaire. Et après, bah, du crit en second, hein, évidemment. Donc on a quand même fait 3 spé et une auto-attaque, donc pas dégueulasse du tout. Avec des bonnes petites valeurs, bon après au côté dégâts, voilà, c'était pas ça, on n'avait pas l'avantage type. Dès qu'on va tomber sur du tech, on n'en parlera plus. On se retrouve dans la prochaine rota, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, nouvelle rotation. Donc au premier tour, on était à 330 000 d'attaque et 146 000 de def. On a dû bien monter. Et ouais, déjà on est monté directement à 528 000 d'attaque, donc non négligeable. Et on est à 241 000 en def. Donc, comme vous avez pu voir, plus on va monter comme ça, de toute façon, mieux ça va être, évidemment. Donc voilà, première rotation. Alors, on est parti. Tac. Là, c'est pareil, en fonction du nombre d'attaques spé qu'on va faire, de toute façon, il va faire un tour. La rotation d'avant, c'est pareil, on a fait un tour avec les deux Thalès, ça a été très rapide. Donc on a 792 000. Donc, première spé, on monte à 2 millions, 2 millions 9. Donc très très bien. Hop, 2 millions 100, en plus on a avantage type, une petite auto-attaque, une auto-attaque, une auto-attaque. Allez, une petite spé là, elle nous a pas fait de spé supplémentaire, donc on aura juste une spé en plus. Donc là on va pas monter des masses évidemment. Mais voilà, le truc pareil, elle fait un tour, de toute façon le Broly se l'est fait à lui tout seul. Et on se retrouve, prochaine rota, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on était à 528 000, sachant qu'on avait un support dans la rotation d'avant, donc les valeurs vont être moindres, évidemment. Donc là, on est à combien? On est à 536 000 en attaque et 238 000 en défense, sachant qu'avant, on était à 528 000, 241 000. On est parti qu'une seule fois en spé là. On n'a pas de support dans la rotation, donc voilà un petit peu la différence. Mais vous voyez, dès que le support, ça monte assez vite. Et là, même là, ça reste quand même assez correct pour alors qu'on est seulement au cinquième tour et au troisième adversaire. Quatrième adversaire. Normal, Super Saiyan 2, c'est ça. Quatrième adversaire, donc ça reste très très bon. Alors voyons voir ça. Tac, on va partir comme ça. On va partir comme ça. Bon là le problème c'est qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de spé parce que bon, on va l'éclater, je pense, à la toute première spé directement. On monte directement un petit 804 000. Plutôt bien. Et on part à 2 millions 7. De toute façon là, normalement il est mort direct. Donc malheureusement on ne partira pas plus en spé.
Ah, si. Ah, mais dommage, ça serait une auto. Bon, pas de chance. Donc, nouvelle rotation. On aura à nouveau un petit support. Donc, évidemment qu'on va prendre plus de valeur. Donc là, on est passé à 660 000. Sachant qu'on est parti qu'une seule fois en spec, une auto-attaque. Que là, en plus, évidemment, on a le petit Freezer en support. Et on a combien? 292 000 en def. Évidemment qu'un support, à chaque fois dans chaque rotation, ça montera un peu plus grâce au petit support. Alors, nous, on va partir comment? On va partir comme ça. De toute façon, là, logiquement, lui, il est dead, on n'en parle plus. Ouais, vous voyez, ça va assez vite. Bon, il y a juste, malheureusement, bah, là on était bien parti au début et on n'a pas mis assez de dégâts après derrière, donc on n'a pas pu les péter en une rotation. Mais vous voyez, ça va quand même très très vite. Alors, on monte à combien? 3 millions 100, donc il continue sa montée, évidemment. Une spé, s'il te plaît, pas de crédit, qu'on puisse refaire des spé derrière. En fait, ça, depuis tout à l'heure, c'est le gros souci. Bon, on aura quand même deux spé. Ça sera toujours 7 prix. J'aurais bien voulu un petit peu plus, j'avoue. Le problème, c'est qu'à chaque fois sur la fast tech, on tombe en fin de combat, donc problématique. On se retrouve dans la prochaine rotation, je vous dis à tout de suite. Donc, nouvelle rotation, avec toujours un petit support. Donc, on est à combien? On est monté à 792 000. 362 000 en def. Donc ouais, ça poursuit bien sa petite montée tranquille. De toute façon, là, vous savez que vous pouvez encaisser des coups avec le Broly, vous êtes tranquille. Bon, c'est pareil, on a toujours un support dans cette rotation, ce qui fait qu'on monte un peu plus, hein. Évidemment, on va garder les actifs skills pour après. Hop là, de toute façon, j'ai envie de dire, Broly va faire tout le taf. Le Hint va faire le taf à lui tout seul. Donc voilà, on est à 3 millions 360 000 et des bananes. 1 million 2. Ok, là on va le buter. Pas de support dans cette rotation-là, donc on va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. Alors on est à combien? 775 000, donc à chaque fois on descend un petit peu dès qu'on n'a pas de support. Hein. Pas non plus des masses au final. Hein. On se rapproche assez pas trop mal de la valeur qu'on était avant. Parce qu'avant on était à 792 000, on est à 775 000 sans support, sachant qu'on a fait qu'une spé et une auto-attaque, on l'a fumée. Et en défense, on est à 343 000, donc. Alors, on reste quand même assez proche dès qu'on n'a pas de support. Alors, le bro-bro, et ben, on va faire ça comme ça. On est déjà à 775 000 sans avoir pris de sphère de ki. Dokkan Mode, on a dépassé le million. On a dépassé le petit million. Ce qui fait plaisir. Mais normalement, ça devrait suffire. De toute façon, on ne devrait pas prendre de dégâts. On n'a pas utilisé d'objet encore pour l'instant. Logiquement, on n'aura pas besoin d'utiliser. Mais plutôt des bonnes rotations. Mais la rotation d'avant, j'ai eu Thalès Puissance, Thalès Agi et Golden Endu. Et ça va, bah, il n'attaquait pas en dernier, donc il n'y avait pas de mauvaise spé à manger. On va essayer de faire le Dokkan Mode au complet. Hop là, nickel. Donc on est à 3 millions 100. Avec rotation sans support. Donc on va lui mettre combien? C'est bien de voir en fait justement les rotations avec les supports, à quel point ça nous booste quand même. Et les rotations sans support, un petit 3 millions 9 en critique, auto-attaque, il me faut des spé, Broly, spé, voilà, petite spé 3 millions 2. On a eu 2 spé et 2 ou 3 auto-attaques, donc plutôt bien. Ah, justement, il tape l'esquive, le pas de chance. L'auto supplémentaire, de toute façon, je pense que le Broly ami va le péter, hein. Tout simplement. À moins qu'évidemment ne fasse pas assez d'attaque spé ou d'auto-attaque. Ah putain, sas. Vous voyez, avoir de la vie juste pour ça, lui restait juste ça, c'est vraiment lagging. Et voilà, on se prend juste un petit 32 000, sachant que comme vous allez pouvoir voir, on a utilisé encore zéro objet. Hop là, alors, nouvelle rotation. En plus, on a les supports. Donc c'est parfait, il faut juste espérer qu'il nous tape pas d'esquive en fait. Et bah on va activer les actifs skills. Hein. Et voilà, on va pouvoir envoyer du lourd. Alors, on est à combien? On est. Allez, on n'a pas regardé les valeurs aussi, ça peut être bien de regarder les valeurs. Donc on est. Alors là, on attaque, on pète tout, on est à 1 500 000. Et en défense, on a 439 000, donc on est très très bien en défense. Pareil, au niveau dégâts, on prendra quasi que dalle. Alors, on va se faire ça comme ça. On va se faire ça comme ça.
Bon, espérons ne pas prendre de coups sur le Broly Tech. Évidemment, de toute façon, si on prend une spé dessus, on est mort. Hein. Clairement, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Si on prend une spé sur le Broly Tech, c'est la mort assurée. Déjà, on va avoir juste des simples, enfin, des simples auto-attaques. Déjà, on va pas kiffer normalement. De toute façon, désavantage type. Il n'est pas boosté en défense comme ce nouveau Broly. Vous voyez, 88 de dégâts. On est à 5 millions 8. 5 millions 8 en spé. Avec l'active skill, donc là ça va faire du dégât. 2 millions 5 propre. Petit auto, alors vas-y, là balance-nous de l'aspect. Cela, tu peux en balancer de l'aspect. Encore une auto. Après, c'est le côté un petit peu chiant. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre un maximum de spé supplémentaire, d'attaque spé supplémentaire pour pouvoir en balancer un max et pas des autos seulement. Là, on a 7 millions 9 avec le Broly et l'AirTech. On va se faire une dernière rotation. Si on survit jusqu'à la prochaine, sinon ce sera peut-être la dernière. Oui, on prend des 89 000 là quand même, donc ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Hein. Bon, lui, de toute façon, il fait pas de dégâts. Hein. C'est un perso vraiment qui est là pour le support. Il n'est pas là pour les dégâts du tout, comme vous pouvez voir, même avec l'avantage type. Après, ouais, on prend des petits 28 000, donc je pense qu'on prendrait, ouais, allez, un 130 000, un truc comme ça. Allez, nouvelle, et j'espère, dernière rotation. De toute façon, on s'arrêtera là sur cette rotation-là, même si on le finit pas. Histoire vraiment d'être tranquille, donc je vais pas vous mentir, j'ai bouffé un petit fantôme portier autour d'avant, vraiment histoire d'être d'être safe et d'avoir la paix, tout simplement. Donc on est à combien là? On est à 1 million. Ouais, c'est vrai qu'avant, autour d'avant, on avait activé l'active skill, donc ça ne comptait plus vraiment quoi. Mais on est 1 million. Donc quand même plutôt très très bien. Ah, on met ma... ouais, c'est bon, c'est ça, je dis pas de bêtises. On est à plus d'un million. En def, on est 483 000. Voilà, on a quasi atteint les 500 000. Donc, le petit Broly AirTech. Bon, là, de toute façon, j'ai envie de dire, soit de toute façon, il faut qu'on le bute ou on crève. Voilà, en d'autres termes, c'est ça. Je pense pas que c'est. Bah, de toute façon, déjà, si Broly AirTech prend une spé, c'est mort. Déjà, d'office, on a 3 millions 7. Très, très fat. Moi perso, ce Broly, je trouve vraiment qu'il est totalement monstrueux. Après, il faut vraiment gérer les attaques spé supplémentaires. Attaques spé supplémentaires, voilà, 3 millions 8, on continue à monter. On continue à bien monter comme il faut. Il nous a tapé une esquive quand même, on a foutu deux specs, hein, 2 millions 2 en crit. Il m'esquive une auto. Et on prend le spé sur le Broly, donc ce qui m'arrange totalement. Là, on va prendre 0 dégâts, hein, 22, 23, un truc comme ça. Petite misère, voilà, tranquillement. Voilà, un petit 88, histoire de dire. On a 4 millions 7 avec le Broly Tech. Donc ouais, ce petit Broly, moi je suis vraiment fan. Il est vraiment balèze. C'est pour ça que je vous conseille vraiment un XP supplémentaire. Plus il en aura, de toute façon, plus il fera de dégâts et mieux ce sera. On va pas se mentir. Petite esquive, pas de spé supplémentaire. Ouais, bon, là, on va pas se mentir, on est mort. C'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'était pas de le réussir, c'était de réussir, enfin de voir un petit peu ce qui donnait tout simplement. Donc voilà, on s'arrête sur cette fin malheureuse. J'aurais pu l'esquiver la mort, mais bon, c'était pas le but de cette vidéo de réussir le Goku Rush. Le but, c'était de voir un petit peu ce Broly. Donc vous pouvez voir vraiment monstrueux. Moi, je le kiffe vivement d'avoir d'autres doublons, même si j'ai déjà un doublon dessus. Ça me dit de toute façon, plus il va avoir de doublons, plus fat il va être. Voilà, tout simplement, j'espère que ce petit showcase vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve lundi matin pour faire du Dokkan Battle. Je vous fais des bouges, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!